Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je m'appelle Mohamed Lamine Badji, porte-parole de l'imam El Hadj Fa Ousmane Bodian ici à Bindiona. Aujourd'hui est une journée historique au nom du guide spirituel El Hadj Fa Ousmane Bodian et au nom de tous les imams de la commune de Bindiona et au nom de tous les imams du département de Bindiona, au nom de tous les imams de la région naturelle de la Casamance, nous venons parler au nom de l'imam Ratib, montrer notre colère de ce qui se passe dans le monde entier, mais surtout dans le monde musulman, du sassu, du sabotage qui est vraiment passé, ça fait quelques jours ou bien voire un mois, un sabotage du guide de l'islam, du prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Donc l'imam Ratib a appelé aujourd'hui pour montrer tout le monde, montrer tous les imams et tous les musulmans du monde. Nous, ici à Bindiona, nous déclarons fermement notre colère contre la déclaration qui est passée, ça fait un mois. Donc l'imam Ratib a appelé une fraternité de tous les musulmans. Derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous renouvelons notre amour, notre respect du prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons tout le monde de respecter cette prophète, de respecter son image et de respecter la religion musulmane, parce que la religion musulmane respecte tout le monde. C'est le Dieu qui nous a demandé à Amana Rasoulou, Imam Unzila Ilayhi, Mi Rabbihi wal Mu'minuna Kullun, Amana Billah. Quand tu es croyant, il faut que tu penses à tout le monde et tu penses à ta religion, mais penser et respecter les autres religions.